Un photographe mondialement connu à Metz, Jan Schlegel, y est venu en effet pour présenter sa nouvelle exposition Rencontre avec Catherine Reggianini et Emmanuel André. Jan Schlegel parcourt le globe à la rencontre de tribus menacées de disparition. Afghanistan, Afrique ou Namibie, en 15 ans, l'artiste a capturé ses visages dans le monde entier. À la recherche d'émotions et de vérité, le photographe travaille en argentique et magnifie les moindres détails de ses portraits. L'influence de la mondialisation est si rapide. Dès la première fois, j'ai réalisé que ça allait être une course contre la montre. Certaines des tribus, comme celle-ci, celle-là ou encore celle-là, n'existent plus aujourd'hui. Rare en France, le photographe allemand expose habituellement dans des galeries de renommée mondiale. Un collectif d'artistes messins a pourtant réussi à inviter Jan Schlegel via les réseaux sociaux pour venir exposer dans cette galerie associative. On a l'occasion dans la communauté des journalistes qui font de l'argentique de discuter, d'échanger, etc. Et je lui ai fait la proposition des beautés et j'ai eu la surprise de voir qu'il acceptait parce que c'est quelqu'un qui n'est pas collé-monté, pour qui c'est vraiment important de pouvoir montrer son travail et il ne court pas forcément, même s'il est exposé dans des grandes galeries, il aime aussi pouvoir montrer son œuvre et c'est ça qui lui importe le plus en fait. Ce n'est pas important pour moi de savoir si c'est une grande galerie d'art. J'aime que les gens puissent voir mes photos, puissent rencontrer ces personnes et avec un peu de chance avoir une rencontre émotionnelle. Une exposition à découvrir jusqu'au 25 juin à la vitrine éphémère.